cette poupée de cire, avant vous pouviez venir la dénicher sur place. Désormais, ce sera sur Internet, comme tous les trésors de ce nouveau local d'Emmaüs, triés et sélectionnés par les bénévoles. Alors c'est un jeu Michel Vaillant. Donc c'est un jeu des années 60-70. On le retrouve très très peu sur Internet. Flore et Anita travaillent à temps plein dans cette petite caverne d'Ali Baba. Leur boulot, dénicher, mais aussi expertiser des objets. Un jeu ancien, les 12 mythos de minute, de Michel Vaillant, qui est estimé à 99 €. On va rentrer dans 2, 3 ou 5 sites, et c'est en fonction de ces prix que nous, on va fixer un prix solidaire. Ce jeu sera mis en vente sur le site d'Emmaüs à 30 €, soit un tiers du prix par rapport aux autres sites. La vente en ligne, une nouveauté pour les bénévoles et pour les amateurs d'objets vintage. C'est un moyen pour nous, sur certains articles, de toucher une clientèle de collectionneurs. On n'a pas toujours cette clientèle sur place qui va rechercher l'article. Si le prix est plus élevé en ligne qu'en magasin, l'achat reste solidaire. Toujours envie de dire que celui qui ne peut pas puisse s'offrir ce dont il a envie. Voilà, c'est quand même le but. Et cet argent qu'on fait, ben aussi de pouvoir le redistribuer. Pour l'instant, 150 objets ont été sélectionnés pour la vente en ligne. Mais patience, il vous faudra attendre fin mai pour trouver ces trésors sur le site d'Emmaüs France.